Kalau mundur way, kalau jauh, kalau mundur, jauh, 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 jauh. Kalau mundur ya berada Samsung. D'être là aujourd'hui devant vous, Tilonois et Tilonoises, d'ici là et de la diaspora, afin de pouvoir faire ma déclaration, une décision mûrement réfléchie, sans regret ni remords. Merci tous les invités ici présents, merci chers militants et militantes, merci chers sympathisants, merci aussi à toute la population de Tilon et de la diaspora pour votre confiance portée sur ma modeste personne. Mesdames, messieurs, je profite de cette occasion pour montrer toute ma compassion à l'égard de toutes les familles touchées par la COVID-19 et dire aussi à tous nos amis et parents, frères et sœurs disparus en cette année 2021 que Firdaus soit leur dernière demeure et qu'Allah les apaise dans son paradis céleste. Chers militants et chères militantes, population de Tilon, les élections locales, c'est pour maintenant. Allez vous faire inscrire massivement sur les listes électorales dès l'installation des commissions et Inch'Allah, on va les battre dans les urnes au soir du 23 janvier 2022. La mairie sera à nous. Et je sais que chacun et chacune est prêt à arracher la victoire avec force. Les élections locales, ce n'est pas une élection de parti, c'est une élection de liste communale composée de dignes fils de Tilon qui vont décider l'avenir de leur commune et de leur futur maire. Ce n'est pas une farce, c'est une affaire sérieuse. Il ne faut jamais dire qu'on ne fera pas de la politique. Parce que si tu refuses de faire la politique te fera. Tu verras des gens incompétents décider à ta place alors que tu n'y peux rien. Voici aujourd'hui un nouveau tournant. Un nouveau Amadou Alassane Sow, après plus de 20 ans d'expérience politique. 20 ans, ce n'est pas 20 mois. 20 ans, ce n'est pas 20 semaines. Et 20 ans aussi, ce n'est pas 20 jours. C'est toute une vie, c'est toute une carrière. Un élève qui commence son cycle primaire au CI et qui termine son cycle universitaire avec un diplôme de doctorat. Donc, je peux dire aujourd'hui, j'ai mon doctorat politique. Voici un moment historique et l'heure a vraiment sonné. Voici un tournant pour servir mon pays, le Sénégal. Voici un tournant pour servir ma chère commune de Tilon. Voici un tournant pour apporter du sang neuf à une équipe municipale jeune et dynamique, en nommant une future équipe municipale composée de toutes les forces vives de Tilon et celles de la diaspora. Ma candidature est celle de l'unité et de l'espoir. Ma candidature sera celle de nouveau départ vers un développement inclusif et participatif, en passant par l'emploi des jeunes, le financement des projets et programmes des femmes, l'approvisionnement en eau potable, le raccordement à stations électriques, investir sur le sport, l'éducation, l'environnement, la santé, l'élevage, la pêche, l'agriculture, sans oublier la culture qui au début est la fin du développement d'après notre vice-président Léopold Sédar Senghor. J'interpelle tout le monde, sans exception, à venir travailler ensemble pour un Tilon prospère. Soyons dignes et restons dignes. N'acceptez jamais l'achat de conscience par des billets de banque parce que la dignité n'a pas de prix. Chers Tilonois, chères Tilonoises et chers amis et frères de la diaspora, par là, je déclare officiellement ma candidature à la mairie de Tilon au prochain local.